Bonsoir et bienvenue sur ce premier numéro d'SLO TV. Nous vous retrouverons tous les 15 jours pour traiter et analyser l'essentiel de l'actualité de Second Life. Ça y est, c'est officiel. Linden Lab a annoncé l'ouverture de son interface utilisateur au développement externe sous licence GNU/GPL. C'est une très bonne nouvelle pour les développeurs qui vont pouvoir enrichir ce monde virtuel. Face à l'augmentation constante et soutenue du nombre de résidents et aux besoins de stabilité de la plateforme client, cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par tous les utilisateurs. Notez bien que cette ouverture ne concerne que le développement de l'interface de l'utilisateur, pas le moteur interne de notre logiciel favori. IBM, le célèbre groupe informatique, s'installe avec de gros moyens sur Second Life puisque pas moins de 12 îles viennent d'être ouvertes au public. Salles de conférences, intranets et visites guidées sont proposées sur leur CIM. Nul doute que ces investissements sont le signe d'une forte prise de position du géant de l'informatique. Welcome Winger, Snoop Colville. IBM est sans nul doute l'une des entreprises qui s'est le plus fortement impliquée dans Second Life depuis déjà plusieurs mois. Possédant déjà 6 îles privées qui servent d'intranet à leurs 230 employés présents dans Second Life, IBM vient de franchir un nouveau cap en ouvrant son complexe The Greater IBM Connection, qui regroupe 12 îles ouvertes au public. Une navette aérienne vous propose une visite guidée des lieux, avec survol des amphithéâtres géants et des différents buildings dédiés au e-commerce, à l'éducation ou aux produits IBM. Des présentations de produits sont d'ailleurs proposées en relation avec des conférences de la vie réelle, comme l'ouverture du Hall Lotus Fair 2007, accessible à ceux qui n'auraient pas pu se rendre sur place à Orlando. Pour l'inauguration des CIM The Greater IBM Connection, un concours de films d'animation dans Second Life a été lancé pour réaliser une vidéo de présentation de ce nouveau complexe avec, à la clé, un enregistreur vidéo Arcos à gagner pour le vainqueur. Ces CIM, en majorité construites par les architectes IBM, proposent énormément de choses à découvrir sur l'univers de ce géant de l'informatique. Pourtant, certains buildings ne sont pas complètement terminés, mais sont, malgré tout, ouverts au public et laissent parfois une impression de CIM en travaux. Chose courante dans Second Life, mais peu habituelle pour les grosses compagnies. Quoi qu'il en soit, IBM rassure par sa présence et son fort investissement dans Second Life. Et pour tout vous dire, les résidents eux-mêmes apprécient l'attitude de la compagnie qui se montre très très respectueuse des règles de notre communauté. La campagne présidentielle démarre. Même dans Second Life, puisque deux partis ont décidé d'installer des bureaux de représentation, le Front National et le Parti Socialiste. On peut toutefois regretter les maladresses de certains et les mauvais comportements pour d'autres. Preuve qu'il vaut mieux s'adresser à des personnes compétentes pour son implantation dans Second Life, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis il n'y a pas que le sexe et l'argent dans Second Life. Il existe aussi certains lieux permettant de sensibiliser les résidents à des causes humanitaires et des problèmes quelquefois étouffés par notre monde moderne. Ainsi, Inkenzo a choisi de vouer entièrement sa CIM, Better World, à la présence unique d'organisations non gouvernementales et d'associations caritatives destinées à faire prendre conscience aux résidents de l'ampleur de certaines catastrophes. Une initiative remarquable qui connaît d'ores et déjà un vif succès, une visite indispensable. La forte exposition médiatique de Second Life en France en ce début d'année a bien entendu amené son lot de nouveaux résidents, mais le phénomène est d'une telle ampleur que les quelques CIM francophones arrivent très vite à saturation. Il n'est pas rare de constater des pics d'inscription pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines par jour certains week-ends. Le réseau francophone a donc bien du mal à gérer ses arrivées en masse. Nul doute que les investisseurs vont s'empresser de corriger et de profiter du phénomène, mais il nous faut pour l'instant subir la paralysie temporaire de quelques CIM incontournables, notamment sur l'Area 51 et Gaïa, point de chute de tout nouveau résident francophone bien renseigné. Cet arrivage va obligatoirement demander un nouvel aménagement des zones d'accueil.
C'est devant un public sous le charme et sur une cime act-and-go pleine que Julian Vesta, artiste brésilien à la voix envoûtante et aux mélodies enjouées, a récité son répertoire de musique salsa, samba et autres rythmes d'Amérique du Sud. Un dépaysement total, un pur moment de bonheur que la plupart du public a chaleureusement remercié et applaudi dans une ambiance de partage, de découverte et de fraternité. On en redemande, Julian, merci beaucoup. Haute couture, moulin rouge, peinture, architecture, voilà tous les ingrédients nécessaires pour retrouver l'ambiance du Paris impressionniste du début du siècle dernier. C'est l'idée d'Anastasia Evans et Chris Darks, aidée des talents du célèbre concepteur-artiste francophone Yann Nimonde. Une réussite totale. Ambiance, convivialité, curiosité et découverte, un reportage de Walcam Winger et Lindsay Shenlin. Paris comme avant, Paris d'antan, Paris 1900. Voilà ce que vous propose cet endroit magique. Revivre et se promener au milieu des ruelles du début du siècle. Boire un verre dans un vieux bistrot d'habitué, flâner dans le quartier entouré des ambiances parisiennes. Colonnes et architectures relevant l'atmosphère romantique et pittoresque de ce nouveau lieu plein de charme. Vous pourrez visiter musée et tour Eiffel, incontournable symbole de la capitale. Assister bien sûr à un défilé de mode au célèbre Moulin Rouge. Voire même se relaxer sur le dos d'un éléphant. Tout y sera. Vous y serez et nul doute qu'après cette expérience, vous y retourniez en charmante compagnie. Ravi de trouver un vieux Paris révolu. Paris osé, Paris réussi donc pour les créateurs que vous aurez certainement la chance de croiser au détour d'une rue. Leur sympathie et convivialité ne feront que renforcer le charme de votre visite. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro d'SLO TV. Bonsoir.